Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes ici avec Pierre dans la Kazan Arena pour un nouveau match de Coupe du Monde. Ouais, un joli stade de 45 000 places à peu près et on l'espère, un beau match à vivre. Alors, c'est pour l'attendre, hein, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. Voici les titulaires. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2 disons plus classique. Quelques secondes du coup d'envoi. Je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. Alors qu'on voit maintenant le type d'envoi. Choisit la frappe. Et le dernier mot pour le gardien. Encore un ballon pour Griezmann. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Piégé, hein, sous pression là. Benjamin Pavard. Mbappé. Antoine Griezmann qui continue. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ah, cette talonnade qui est interceptée. On va peut-être assister à une contre-attaque. Attention, on peut reprendre l'avantage. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Paul Pogba. Benjamin Pavard. Ouais, avantage, les bleus continuent malgré la faute. Griezmann. Kanté. C'est contré, hein, par le défenseur, dommage. Ah, il y a quelqu'un en premier point. Il s'est dégagé du point. Mbappé. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Mbappé en bonne position. Antoine Griezmann. Il s'est traversé partenaire. Et le but ! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat maintenant. Ça va pas être facile. Et Pierre, la trajectoire, elle est parfaite. Oui, Hervé, le ballon est bien travaillé, bien frappé. En clair, c'est un calvaire pour garder. Et l'équipe de France qui mène donc. Les bleus à l'attaque avec ce ballon. Arbitre qui a bien jugé sur cette action. Hors jeu de peu, mais hors jeu. Ouais, bon mouvement amorcé par les bleus. L'arbitre qui n'a pas sifflé, qui laisse l'avantage aux Français. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Antoine Griezmann. Paul Pogba. La bonne anticipation sur ce coup, la défense qui veille. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, le bon ballon. Le gardien qui va pouvoir se dégager avec une sortie de but. Antoine Griezmann qui fait l'effort pour récupérer ce ballon. Blaise Matuidi. Pogba. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Mbappé. On pense qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Kylian Mbappé. Oh, dommage cette faute. Ça va donner un bon coup franc. Il
fallait pas faire cette faute, hein, il ne fallait pas lui offrir ce coup franc. Un but qui fait du bien, hein, pour l'équipe de France. Ouais, il est vraiment parfait, hein, ce coup franc d'Antoine Griezmann. Je pense que le gardien a senti ce qui allait arriver, mais il pouvait vraiment rien faire contre. Oh, quelle frappe, quelle frappe. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Benjamin Pavard. On s'approche du but. La passe est interceptée. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Le centre vers ses coéquipiers. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Oui, alors, tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Laurent Koscielny. Pogba. L'attaque enrayée par la défense. Blaise Matuidi. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Oh, le voilà. Bon, je suis pas sûr que si fait un jour le DVD de ses plus beaux buts, celui-ci y soit, enfin. Buteur qui a bien fait de placer son ballon plutôt que de frapper en force. Belle lucidité. Et forcément, de cette distance, c'est tout de suite plus facile. Oui, ça va trop vite, c'est trop près pour le gardien qui peut rien faire. Et 2-1 donc maintenant. Dembélé. Ouais, bien joué la talonnade. Personne pour arrêter Griezmann. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Kanté. Griezmann. Ouais, bien joué la remise. Griezmann. Elle a l'air dangereux. Ah oui, le tir. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Et corner. Attention, il peut faire le break, hein, sur ce ballon. Allez, pleine surface. Raphaël Varane. Allez, pleine surface. Ce sera un grand danger pour le gardien de ce corner. Ouais, là, du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Benjamin Pavard. Kanté. Ouais, bonne intervention. Matuidi qui était sur la trajectoire. Ouais, un bon ballon d'attaque. Mbappé. Ah non, c'est pas bien fait ça. Et c'est la mi-temps. La seconde période qui est lancée par l'équipe de France. C'est pas une touche pour les Français. Laurent Koscielny. Virgil Sidibé. Antoine Griezmann qui continue. Un coéquipier dans la surface. Un trop timide ce dégagement. Le danger reste imminent. Antoine Griezmann. Ah, facile la récupération. Matuidi. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Griezmann, c'est une balle de but ça. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Ouais, carton jaune, hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. Benjamin Pavard. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Samuel Umtiti. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, elle a mis beaucoup. Ouais, la bonne. Peut-être l'égalisation sur ce coup.
Non, elle a été interceptée cette passe. Attention à la frappe. C'est sans problème pour le gardien. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire? La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. Kylian Mbappé. Allez, il y a du monde pour reprendre. Alors, on essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout ça. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ouais, c'est le face-à-face avec le gardien. Le centre qui se rend pour le gardien. Tranquille. Oh, c'est pas croyable, non! Elles font mal, hein, ces images. Ouais, il faut vite penser à autre chose, là. Allez, il ne faut pas se focaliser sur cette bourde. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Kanté. Antoine Griezmann. Le bleu à l'attaque avec ce ballon. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Un bon ballon qui va peut-être... C'est pas terrible ce qu'il vient de faire. Le gardien qui ne va pas s'en plaindre. Non, c'est un peu bizarre ce qu'on vient de voir. Prochaine fois, normalement, c'est au fond. Direct Sidibé. Attention, parce que la menace est toujours là. Anthony Martial qui frappe. Blaise Matuidi. Kylian Mbappé. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. Antoine Griezmann. Le long de la ligne de touche. Laurent Koscielny. Griezmann. Ouais, bonne transmission. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Et sortie de but donc. Un petit mot sur la prestation de Griezmann, très réussie jusqu'à présent. Regardez, il a de très bonnes stats hein, d'ailleurs. Il participe à presque toutes les occasions de son équipe en jouant sur des qualités qu'on lui connaît, à savoir sa vision du jeu et sa capacité à donner le ballon au bon moment. D'ailleurs, il a délivré une passe décisive dans ce match. Griezmann. Ouais, il a pris sa chance de loin sur cette frappe. Il a bien failli marquer hein, cette frappe longue distance. Matuidi. Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé. Mbappé en bonne position. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Ah oui, pénalty. Pénalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune. Et ça fait but pour Antoine Griezmann. Le penalty ralenti. Joli produit sans froid sur ce face-à-face avec le gardien. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Mbappé. N'Golo Kanté. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Thomas Lemar, Nabil Fekir, Antoine Griezmann, un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Thomas Lemar, Antoine Griezmann. L'équipe de France qui se rapproche. Oh, la bonne inspiration. Mbappé en bonne position. Oh oui, but! Mais regardez, c'est peut-être moins spectaculaire qu'une lucarne dans ses frappes à ras de terre. Mais c'est quand même sacrément efficace. Ouais, l'équipe qui a l'image de son gardien est quand même en train de craquer. Hein. Ouais, l'écart s'est creusé. Hein. Même plus un sursaut d'orgueil qu'il va falloir là. Un bond d'orgueil. T'es sûr, il a dû en mettre des plus difficiles. Hein. Celui-là était vraiment très simple.
Il n'y a personne pour arrêter Griezmann. Griezmann qui continue de progresser. Oh, le grand danger! Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Interception. Martial, Anthony Martial, oh, ça peut faire but. Les joueurs qui peuvent s'appuyer sur ce score assez favorable. Ouais, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de suspense dans ces dernières minutes. Et le gardien qui, pour une fois, est sur ce ballon. Il était temps parce qu'il est totalement à côté de ses pompes aujourd'hui. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Deux minutes de temps additionnel viennent d'être annoncés. Matuidi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Et c'est donc le coup de sifflet final. On reste un petit peu sur notre fin quand même, hein, Pierre. C'est vrai qu'on aurait aimé assister à un match un peu plus équilibré, plus disputé. C'est sûr, Hervé, qu'on a vu une équipe largement au-dessus de son adversaire. Elle a été sans pitié et dans l'esprit du jeu. Un petit mot peut-être sur la prestation d'Antoine Griezmann. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Antoine Griezmann, il s'est entrevu avec ses partenaires. Ah, il ne fallait pas faire cette faute, hein. Il ne fallait pas lui offrir ce coup franc. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Allez, pleine surface. Raphaël Varane. Tranquille. Oh, c'est pas croyable, oh non. Pénalty, pénalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus... Et ça fait but pour Antoine Griezmann. L'équipe de France qui se rapproche. Oh, la bonne inspiration. Mbappé, Mbappé en bonne position.